cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savate. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savate in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who train in the noble art of French foot fighting Savate understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savate's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savate as told by its professors. Bah, je m'appelle Laurent Mercadier, je suis enseignant et pratiquant de boxe française. Je pratique la boxe française depuis maintenant quasiment 50 ans, puisque j'en ai 56 et j'étais très jeune quand j'ai pratiqué. Bah, ce qui m'a amené à la boxe, c'est simple, c'est un petit peu des choses comme les Brigades du Tigre ou autres. Et puis là, à l'époque, il y avait très peu de clubs de boxe française, donc on allait très loin pour aller chercher des clubs. Il s'est trouvé que j'en ai eu un qui n'était pas loin de chez moi. Donc j'y allais, ou à pied ou en vélo, des fois, c'était assez marrant. Sauf que, bon, comme professeur, j'ai eu de la chance d'avoir des gens intéressants, mais c'était pas des professeurs, c'était des initiateurs. Donc ils n'avaient pas suffisamment de compétences, pour nous faire travailler, mais après, au-delà, au niveau des compétitions, au niveau des championnats ou autres, ils n'étaient pas prêts pour ça. Donc au bout de 6 mois, j'avais plus de professeurs ou j'avais plus d'enseignants. Donc j'étais amené, à travers les compétitions, moi, à prendre ce que j'avais en manque. Ça veut dire que j'allais aller voir des gens ou des combats, comme Bernard Leprévost en l'occurrence. Et là, je filmais tout et je retransmettais tout ce que j'avais vu en compétition dans mon club, avec Hubert Abella, qui est un de mes amis. Et là, on faisait ce qu'on a, on était un petit peu des autodidactes, et puis donc on prenait ce qu'il y avait à apprendre comme ça. Mais c'était sur le tas. Et ce qui fait qu'à travers ça, on a fait beaucoup de pratiques. On a eu un niveau national, voire international. Et puis je me suis retrouvé à l'INSEP, où là j'ai travaillé avec d'autres gens. Mais c'était intéressant, mais ça ne me convenait pas. Parce qu'on m'imposait des techniques et on ne prenait pas ce que j'avais de bon ou pas bon. Moi j'étais quelqu'un de relativement souple, qui allait vite. Mais je ne travaillais pas comme plus fort que ça. Quoi. Je veux dire, l'anglaise j'aimais bien. J'adorais l'anglaise parce que je travaillais chez Michalef à Saint-Ouen, et Michalef c'était donc les professeurs où il y avait des professionnels en boxe anglaise. À l'époque c'était Stéphane Ferrara, Pierre-Franck Wicherstein, et des gens en boxe anglaise qui m'ont permis de travailler au point plus facilement. Et là donc j'allais là-bas pour prendre un petit peu ce qu'on n'avait pas dans la salle, parce qu'en anglaise, c'était l'anglaise, la boxe anglaise et la boxe française n'étaient pas bien vues, c'était deux sports distincts. Alors qu'en définitive, c'est un travail en pied et l'autre en point. Voilà. Mais il faut prendre partout. Alors donc à travers ça, on a été amené à visiter d'autres clubs, aller voir, se confronter à d'autres gens. Et puis c'est comme ça qu'on a évolué, qu'on a grandi, quoi.
Et ce qui m'a amené à la boxe, surtout, c'est des gens comme je disais, comme Bernard Leprévost, comme Robert Paturel, comme Solignac, des gens qui avaient, en plus des bons boxeurs, c'était des gens humains, des gens qui étaient accessibles, qu'on avait plaisir à voir, plaisir à entendre et plaisir à côtoyer surtout. Donc c'était des gens qui avaient vraiment des qualités qui sont les qualités nobles de la boxe, c'est-à-dire qu'ils ne se prenaient pas pour des stars, quoi. Voilà. Si ce n'est que, moi je pratique beaucoup, je pratique la boxe française depuis énormément de temps parce que je suis quelqu'un de passionné. Pour une petite histoire, des fois j'étais malade ou autre, et il se trouvait que j'allais voir mon professeur en vélo pour lui dire que je ne pouvais pas assister au cours. Alors que pour me dire, quand je devais rater l'école, je ratais l'école, je n'allais pas voir mon instituteur ou mon professeur. Mais là, je me devais de le faire parce que c'était pas normal que je ne sois pas présent. Et pourtant, j'étais très mal, j'étais là, puis je viens te voir parce que je ne peux pas aller au cours ce soir. Il me dit, c'est gentil, mais on sentait qu'il avait envie de rire parce qu'il dit, mince, faire 15 km en vélo comme ça pour lui dire que je ne pouvais pas venir, c'était un petit peu. Mais c'était aussi une forme de respect. Des choses qu'on nous inculque, qu'on se devrait d'inculquer aux jeunes, quoi, parce que le respect de soi-même, le respect des autres, c'est des choses importantes. Et c'est peut-être le pourquoi et le but initial de la boxe française. Mis à part que c'est un sport qui est très bien, j'ai eu la chance. Voilà. Dans mes premiers professeurs ou autres, qui étaient vraiment professeurs, c'était Jean-Claude Dérisson, des personnes qui venaient de l'éducation nationale, qui étaient professeurs d'éducation physique, mais qui avaient une rigueur. Et en même temps une souplesse plus qu'intéressante parce que c'était des gens très techniques qui avaient la justesse des coups, qui nous faisaient comprendre que les coups étaient trop forts quand c'était vraiment appuyé et que le but initial c'était d'avoir un partenaire et non pas un adversaire. Qui avait un éducatif, c'est plus un projet éducatif au sein de notre club, à savoir que on respectait la personne qu'on avait en face et on avait une évolution. Si on voulait travailler plus fort, on pouvait, mais avec des gens qui avaient la possibilité de répondre, qui avaient du répondant par rapport à ça. Et je pense que c'est un petit peu ça la philosophie actuelle de la boxe française, c'est l'esthétique, l'efficacité, comment ça s'appelle, et d'autres valeurs qui font que la boxe française reste un sport noble. Donc on a vraiment le respect des choses et le respect des gens qui pratiquent. Parce que c'est trop facile, faire du mal c'est trop facile, je veux dire taper quelqu'un c'est facile. C'est pas ce qui est le plus facile dans la vie de violenter quelqu'un. D'abord, c'est pas dans la nature de l'homme, et c'est tout. C'est de se dire, la personne, elle doit avoir les mêmes qualités ou les mêmes possibilités de se défendre que nous. Voilà. Et c'est des confrontations, c'est pas forcément des violences. C'est des échanges. Que ça soit pugilistique ou technique, c'est vraiment un échange. Ça veut dire que je t'ai touché, mais je t'ai pas fait mal. Sinon, après, pour faire mal, on a d'autres notions, comme la compétition qui n'est pas forcément une finalité, mais qui est quelque chose où on se dit on va mettre en application des techniques données, voir un petit peu l'efficacité d'un coup, ou la finalité même du coup de poing ou du coup de pied. Mais c'est pas, pour ma part, la compétition, c'est pas toujours quelque chose de valorisant. Je préfère avoir un bon, comme je dis toujours, mon proverbe, c'est un homme pour toujours, un champion un jour. Parce que les hommes, c'est un champion, il sera champion, mais une fois qu'il n'est plus champion, il n'est plus rien. Parce qu'un homme, il le sera toute sa vie, je l'espère de moi. Voilà. J'ai pas évoqué la période où de mon apprentissage, où comme je n'avais pas vraiment, comme je vous dis, de professeur, j'ai eu la chance de pratiquer avec Maître Lafont, qui était un maître d'armes en l'occurrence, et qui pratiquait la boxe française savate, comment ça s'appelle, rue de Charenton à l'époque, et qui a eu la gentillesse de m'inviter à ses cours, mais pendant quasiment 2 ans. Où là, je pratiquais avec deux de ces tireurs, mais qui avaient vraiment une façon de boxer qui était autre, qui était plus féline, qui était plus maline, où on s'apercevait que le boxeur, c'était pas le plus costaud, mais c'était le plus malin dans sa façon d'être, sa façon de se déplacer, toucher, faire semblant d'eux, et des techniques qu'on n'apprend pas forcément en boxe française. C'était l'aspect un petit peu plus félin et plus malin, surtout, de la boxe française. Mais en plus, un monsieur qui est parti trop tôt ou trop tard, ça dépend, parce que trop tôt, parce que même si c'est 80 ans ou autre, et trop tard, parce que j'ai pas eu le temps de lui dire ce qu'on devait lui dire. Voilà. Merci, monsieur Lafont, en tout cas.